L'histoire commence dans l'immensité des steppes mongoles et se termine à Katmandou, au Népal. C'est l'histoire d'un homme, nomade parmi les nomades, qui voyage entre l'Allemagne, pays de son enfance, et les contreforts de l'Himalaya. C'est l'histoire d'un homme qui, par amour, décide de changer de vie et de créer un des plus beaux cachemires au monde. C'est l'histoire de Christopher qui fait découvrir à sa fille Allegra, lors d'un voyage initiatique, l'itinéraire de cette fibre magique. Il y a 25 ans, une nouvelle aventure m'a conduit en Mongolie. J'y ai rencontré ma merveilleuse femme, Enke. Elle est mongole. C'est pour elle que je suis resté plus longtemps que prévu. C'était un simple voyage, c'est devenu ma vie. Christopher a laissé derrière lui sa vie flamboyante d'acteur et de producteur de rock. La Mongolie est devenue son pays d'adoption. Il développe sur ces terres arides la production d'un cachemire d'excellence, ce trésor détenu par 20 millions de chèvres. J'ai eu l'idée d'emmener le cachemire de Mongolie au Népal, où le tissage à la main est une tradition ancestrale qu'on ne trouve pas dans la culture nomade mongole. Il crée aujourd'hui l'un des plus beaux cachemires au monde. Les grandes maisons de couture succombent à la finesse et à la légèreté de ses étoles, à la douceur de ses plaides et à la chaleur de ses couvertures. Pour atteindre cette excellence, il fait sans cesse des allers-retours entre le Népal, terre du tissage, et la Mongolie, terre de la matière première. Christopher emmène sa fille Allegra sur la route du Cachemire. Sa femme, Enke, est restée en Europe avec leurs deux fils. It is a great pleasure to take my little Allegra. C'est un plaisir de venir avec ma petite Allegra pendant cette période magique de l'hiver et de lui montrer comment vivent nos amis éleveurs. Depuis plus de 20 ans, Christopher tisse des liens privilégiés avec les éleveurs mongols qui lui fournissent la laine de Cachemire. Au Nouvel An, il vient rendre visite à la famille de Moto. Good to see you. You're looking well. Hello. Hello. Rabata. Hello. Hello, Handa. Hello. Tamano. 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 Ah, signor. Chaque été, la famille de Christopher installe son camp dans la steppe, à deux pas de celui de Moto. Allegra vient pour la première fois en hiver et retrouve son ami Doda. I've been in there.
7 février. Chère Miss Wolf, je vais écrire et dessiner mon voyage en Mongolie. Ce seront mes devoirs de vacances. J'écrirai une sorte de journal pour que vous puissiez savoir ce que j'ai appris pendant mes vacances. Je ferai de mon mieux pour que vous puissiez découvrir avec moi la steppe et la culture mongole. Occupé à sa survie, le monde semble en léthargie. C'est le royaume du blanc et de la glace. Hommes et troupeaux sont abandonnés au silence de la steppe. Dans cette vallée, l'ombre de Gengis Khan plane encore aujourd'hui. Son fils Ogodaï avait établi sa capitale Karakorum à 50 km du campement de Moto. Je m'appelle Moto, je suis éleveur. Je vis aux environs de Karakorum avec ma femme et mes deux filles. Mes deux filles vont à l'école en ville. Et ma femme et moi, on reste ici pour s'occuper des animaux. Pendant les 6 longs mois d'hiver, la température peut atteindre moins 50 degrés. Les chèvres se protègent alors contre ce froid extrême et sécrètent un duvet appelé cachemire. L'histoire de cette fibre est magique. Elle ne se développe qu'au cœur de l'hiver, quand la nature aide les chèvres à survivre en les dotant d'un duvet qui les protège. Ce duvet pousse sous leur fourrure principale et crée une couche de protection supplémentaire. C'est la fibre la plus fine que la nature produit. Les poils, d'une finesse inouïe, sont récoltés en peignant l'animal entre avril et mai, lorsque les températures remontent. Allez, Garka. Yeah, I'm coming. It's a male? C'est un mâle? Ok. You see? Tu vois? Oh, petit. Oh, c'est joli. This is what protects. C'est ce qui protège la chèvre et lui permet de survivre tout l'hiver. Moto, combien de grammes tu peux prélever sur une chèvre? Entre 150 et 200 grammes. Ça dépend de la taille de la chèvre. L'excellence commence avec la qualité de la laine. On trouve différents degrés de finesse dans le cachemire. A, B, C ou D. Plus la fibre est fine, plus elle a de valeur. Disons qu'une fibre d'une épaisseur de 14 ou 15 microns est plus précieuse qu'une fibre de 17 microns. L'autre élément important est sa longueur. Plus la fibre est longue, mieux ce sera pour la filer. Surtout qu'elle sera filée à la main, ce qui garantit un produit d'excellence. Il nous faut donc les fibres les plus longues. La vie dans les steppes, c'est pas de la tarte, surtout en hiver, quand les températures atteignent moins 30, moins 40 degrés. Il y a surtout ce vent très très puissant qui glace le sang. Pour se chauffer, les éleveurs utilisent de la bouse comme combustible, car il y a très peu d'arbres.
Doda est comme ma sœur. Sa famille, c'est ma deuxième famille, car Doda a grandi avec mes frères. Je la suivais partout quand j'étais petite. On jouait ensemble, on montait à cheval. Elle a toujours pris soin de moi. J'achète peu de laine, mais j'achète la meilleure. Même si on ne sait jamais ce qu'on obtiendra. Je pense que c'est important de venir l'hiver soutenir les éleveurs et la famille de Moto. Je tiens à leur montrer mon respect pour le travail qu'ils font lors de ces mois de froid extrême. And to show some compassion for how they live. En hiver, on doit trouver l'endroit le plus abrité du froid pour installer notre camp. À cause de la neige, les animaux n'arrivent plus à se nourrir et risquent de mourir. Tous les matins, je leur donne de l'avoine et je prends soin d'eux. La vie est dure en cette saison. La Mongolie est un territoire d'1 500 000 km². Elle fait la taille de l'Europe de l'Ouest. Sur ces terres vivent seulement 3 millions d'habitants, dont 1 million dans les steppes. Dans ce dernier bastion du nomadisme, l'hiver est synonyme de fragilité et d'incertitude pour l'homme et l'animal. La situation peut brutalement changer entre deux lunes. Un hiver ne ressemble pas à un autre et peut parfois entraîner l'exode. La Mongolie des steppes perd chaque année un peu plus de ses nomades attirés par les lumières de la ville. Aujourd'hui, la demande pour un cachemire bon marché est très importante. Cette augmentation des volumes de production de la laine a engendré une dégradation des salaires et un surpâturage qui menace l'équilibre des écosystèmes. En travaillant pour le luxe, Christopher privilégie la qualité à la quantité. Il permet aux éleveurs de réduire leurs troupeaux en préservant leur salaire. Pendant Tsagansar, le nouvel an mongol, les familles et les amis se réunissent, comme sur mes dessins. Les gens boivent de l'érag et échangent du tabac à priser. Il y a aussi des courses de chevaux. Le nouvel an dure 3 jours. Le premier jour, on va sur la plus haute montagne pour observer le premier lever du soleil. Cette étoile, c'est Uringala. Uringala ? On la voit quand le soleil se lève. Le mois de février, le mois blanc, est le commencement de l'année lunaire. L'aube sur le paysage appelle au recueillement. Les hommes bénissent la montagne et contemplent les premiers rayons du soleil, signe de bon ou funeste présage. Thank you.
Si on gagne la course de chevaux, est-ce qu'on reçoit un cadeau? Oui, tu verras. Amène-moi tes bottes. Hein? Lesquelles? Celle-là. Non, pas celle-là. Allez, allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. C'est le jour de la course traditionnelle du Nouvel An, appelée le Nadam. Les familles se préparent pour aller soutenir chevaux et cavaliers. Je m'appelle Doda. Après mes études, je veux devenir vétérinaire car j'adore les animaux. Je participe à des courses de chevaux. J'ai commencé quand j'avais 5 ans. Le Nadam est une course réservée aux enfants. Les concurrents âgés de 5 à 12 ans se confrontent sur 25 km dans une course effrénée au milieu de la steppe. Les amis, les cousins, les voisins, séparés par des dizaines de kilomètres, se retrouvent au moment du Nadam. Le cheval de Moto est arrivé deuxième. La deuxième place, c'est bien Moto. Les 4-5 premiers étaient vraiment au coude à coude. Bravo. Un de vos chevaux courait ? Oui. Je vous souhaite une bonne année. Merci. Ça me fait plaisir de vous voir. Les Mongols ont le sens des couleurs. Des couleurs franches et vives qui se remarquent. Ça se voit dans leurs vêtements. La couleur des tissus, les formes très marquées, cela crée des vêtements qui attirent l'œil. Quand je viens aux courses en hiver, je suis toujours impressionné de voir comment ils affirment leur culture par leur façon de s'habiller, la forme et la couleur de leurs vêtements. Dans nos sociétés occidentales, on est tous habillés de la même façon. On se ressemble tous. Alors qu'ici, chacun cherche à se distinguer par un style, une originalité. C'est très attrayant. J'aime beaucoup ça. Britta. Moto, je suis très heureux d'être ici. J'aimerais porter un toast à ta famille, à tes enfants, à ta fidèle amitié et à ton hospitalité qui n'ont pas faibli depuis 20 ans. Nous aussi, ça nous fait plaisir. Merci à vous deux. Tu sais que tu pourras toujours compter sur nous. Merci.
On offre aux amis le traditionnel érag, lait de jument fermenté. Sur la table, une pièce montée faite d'un nombre impair de biscuits appelés gâteaux semelles. Deux couches de bonheur encadrent une couche de malheur, selon les croyances mongoles. Oh, il est fort. On dirait du très jeune érag. Comment tu as fait ça? Ah, ça, il faut demander à ma femme. Oloma, comment tu as fait? Il est plus jeune que jeune. C'est délicieux. Merci. Allegra est très amie avec Doda. Ce séjour a renforcé leur amitié. Allez, encore deux. J'en prends un pour ma femme Enke. Elle est très jalouse que je sois là et pas elle. Ulan-Bator, la capitale de la Mongolie. C'est d'ici que la laine partira pour le Népal. Christopher souhaite montrer à Allegra, dans les usines aux portes de la capitale, le tri et le nettoyage de la laine. Ces opérations délicates se font en fonction de la qualité de la laine. Il s'agit de se débarrasser des éléments superflus. Après ce nettoyage, seul un tiers du poids initial pourra être utilisé pour être filé. La laine traversera donc la Chine et la chaîne himalayenne pour être tissée dans les ateliers de Christopher à Katmandou, au Népal. C'est à Katmandou que Christopher a choisi il y a 20 ans de vivre et d'implanter son atelier, fasciné par la richesse de la culture népalaise. Il me paraissait essentiel de travailler au sein d'une culture où le filage et le tissage à la main font partie d'une tradition d'excellence ininterrompue depuis des siècles. La ville de Katmandou a été bâtie par les Newars qui composent une des nombreuses ethnies de la vallée himalayenne. Ils représentent la moitié de la population. Le savoir-faire des Newars rayonnent dans la région et au-delà des frontières depuis plus de 1000 ans. Ils sont architectes, sculpteurs, orfèvres et tisserands. Il ne suffit pas de trouver la meilleure matière première. Il faut savoir accompagner et contrôler chaque étape de la transformation de cette matière, du filage au tissage jusqu'aux finitions.
Les retours à l'atelier sont pour Christopher l'occasion de saluer chaque artisan. Certains travaillent avec lui depuis 20 ans. Il a changé leur statut en les salariant, alors qu'ils étaient depuis toujours payés à la tâche. C'est très beau. Vraiment beau. La main fait la différence entre grossier et gracieux. C'est ce qui m'intéresse. Puisque tout est fait main, c'est une signature. Parce que c'est une signature singulière, chaque pièce est unique. L'objectif d'une machine serait de sortir 10 000 mètres d'un même tissu. Si vous nous demandez de faire ça, je vous dirais que c'est impossible. Ici, chaque mètre sera différent. Chaque centimètre sera différent. C'est pour cette beauté-là que je me bats. Christopher s'est inspiré du nombre 108 pour créer ses couleurs. Ce chiffre représente les 108 noms du Bouddha, les 108 perles du chapelet, les 108 gestes du tantra et du yoga. La teinture du fil est réalisée avec des colorants qui respectent le blanc, le beige et le brun, les trois tons naturels du Cachemire. Ce serait bien de transposer ce dessin en écharpe bien chaude. On montre à la chaîne quand on aura fini avec la soie. Et la teinture ? La teinture est faite. Le montage de la chaîne est la première étape du tissage et nécessite un véritable savoir-faire. Il faut 5 jours pour confectionner une couverture par la combinaison de 6000 fils de trame et 10000 fils de chaîne. Cela représente 3 kilos de cachemire filés pendant 6 semaines. Dans notre atelier, nous recherchons des artisans qui ont aussi un sens artistique et qui pourront devenir des artisans très talentueux. Je suis comme un chef d'orchestre. Au début, nous n'étions qu'un orchestre de chambre. Aujourd'hui, nous sommes un orchestre symphonique. Nous avons de nombreux musiciens qui ont trouvé ensemble une harmonie.
Mon rôle est d'offrir aussi bien l'espace que le temps nécessaire pour travailler. Mais je ne serais rien sans ceux qui jouent à la perfection de leurs instruments. L'atelier existe depuis 20 ans et des générations d'artisans s'y succèdent. Christopher travaille avec les Newar, mais également avec une quinzaine de groupes ethniques qui composent le pays. Il y a 50 ans, jamais ils ne se seraient parlé. Il y a 20 ans, ils ne se seraient jamais assis à la même table et n'auraient pas travaillé ensemble. Il y a 15 ans, ils n'auraient pas déjeuné ensemble. Être chef d'orchestre, c'est aussi rapprocher ces différentes communautés. Traditionnellement, les Népalais passent peu de temps à la maison. À l'atelier, la vie s'organise entre les heures de travail et les pauses, favorisant ainsi le bien-être des artisans. Ils sont très forts. Et ce sport est excellent pour le corps et l'esprit, car il demande de la concentration. Et en même temps, on se détend. J'habite à Berlin, mais j'ai grandi à Katmandou. Maman est à Berlin. Elle a un examen d'allemand. C'est drôle parce qu'au Népal, on dit que je suis mongole et allemande. Mais en Allemagne, on dit que je suis seulement mongole, car les autres ne sont qu'allemands. J'aime bien être différente. C'est vraiment spécial d'être seule avec mon père. Ça n'arrive pas très souvent. Dans cette maison familiale, Christopher et sa femme ont élevé leurs trois enfants, Etchinge, D'Artagnan et Allegra, dans le respect des croyances bouddhistes. Le bouddhisme accompagne Christopher depuis plus de 30 ans. Il a rencontré le Dalai Lama et s'est épris de cette culture et de ses valeurs philosophiques qui l'enracinent plus intensément sur ses terres mongoles et népalaises. Le développement et l'influence croisée de l'hindouisme et du bouddhisme ont permis aux deux religions de prospérer au Népal. Cette coexistence et cette fusion sont considérées comme uniques. Swayang Bhunath, le temple des singes, est l'un des endroits les plus anciens et les plus sacrés de Katmandou. Il est situé sur une colline qui surplombe la vallée. Allegra, fais-le tourner plus fort. Hé, tu en as manqué. Hindouistes et bouddhistes se rejoignent ici pour prier.
Les enfants ont grandi à Katmandou, dans cette vallée. Notre maison est juste à côté de Swayambhunath. Il y a beaucoup de choses à faire ici le matin. On nourrit les oiseaux, on nourrit les singes, on compte les marches, on apprend à écrire, à marcher. Tout cela fait partie de nos exercices quotidiens. Pourquoi les drapeaux de prière sont uniquement dans les couleurs primaires? Les bouddhistes ont choisi ces couleurs pour les drapeaux sur lesquels sont inscrites les prières. Le vent se charge de les disperser. C'est ce qu'ils appellent gunta, une prière portée par le vent. Ce temple s'est affaissé et écroulé pendant le tremblement de terre du 26 avril. Il y avait deux tours, l'une a disparu. Ce bâtiment, en revanche, est resté debout. C'est celle qui a été frappée par la foudre. Oui, frappée par la foudre. Cette cloche est tombée aussi. En avril 2015, la vallée de Katmandou a été frappée par l'un des plus puissants et dévastateurs tremblements de terre de ces dernières années. Plus de 8 millions de Népalais, sur les 28 millions d'habitants que compte le pays, ont été touchés. C'était un samedi, un jour férié. Mais je devais finir un travail urgent pour le dimanche. Donc j'étais ici ce samedi-là, quand soudain, il y a eu une secousse. Et mon bureau a tremblé et craqué. Dans l'atelier, personne n'a perdu la vie. Mais un grand élan de solidarité s'est manifesté pour soutenir famille, amis et voisins. Dans la cour de l'atelier, à deux pas du terrain de volley, des abris ont été construits pour venir en aide aux sinistrés. C'était incroyable de voir cette équipe soudée venir en aide à toute sa communauté. Il y a eu un grand élan de solidarité. La finition est l'étape ultime pour atteindre la poésie des belles matières et clore l'itinéraire de cette fibre magique. Chaque étoffe est la reconnaissance du savoir-faire des éleveurs mongols et des artisans népalais. J'aime suspendre le temps et laisser de la place pour la création. Quand on fait de l'artisanat, on doit créer un espace dans lequel le temps est différent. Vous ne pouvez pas dire à un peintre d'aller plus vite. Il y a des moments où il doit réfléchir, où il doute de ce qu'il fait, où il cherche. L'atelier offre cette liberté. L'avenir est dans le travail. Un travail toujours plus complexe, mais qui est intimement lié à ma curiosité.
Je suis curieux de voir où ma curiosité m'entraînera. Pour le moment, nous poursuivons avec l'énergie que j'insuffle. Je suis sûr que certains en savent suffisamment aujourd'hui pour créer leurs propres ateliers. C'est ma philosophie de laisser chacun faire ce qu'il pense devoir faire.